Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on a décidé de vous donner quelques petites nouvelles de ce qui se passe en ce moment. Et attention, surtout vidéo encore dehors. Yes. Bon, là ça fait plusieurs jours, mais en même temps il fait beau. Même moi je vous le dis tout le temps les potes, franchement là avec le beau temps qui arrive, ça fait vraiment super plaisir. Ouais. Même pour Piccolo il est bien mieux et tout. Même nous hein, en vrai, beau jour qui arrive, ça fait que du bien. Ouais, de ouf. On peut pas se le cacher. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous ferait franchement super super plaisir. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le soutien dans la boutique Fortnite avec le code créateur duo, c'est très important. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font déjà, merci à tous ceux qui le feront après cette vidéo. Yes. Et on a décidé du coup de vous donner quelques nouvelles par rapport à la vidéo d'hier au sujet de Piccolo en fait, qui s'était blessé. Et du coup, il se trouve qu'il y a une patte qui a guéri, donc celle qui était la moins irritée. Ouais. Et l'autre qui vient de se réouvrir parce qu'il a joué avec au moins 5-6 chiens là. C'était un peu le bordel. Ah bah il va rejouer. Oh, il a failli se casser la gueule. Et du coup, bah là, il y a une patte qui s'est rouverte. Il a un peu couiné là parce qu'il s'est un peu battu, mais. Enfin, battu. Il a battu, quoi. Pico. Piccolo! Ah mais laisse-le jouer. Enfin bref, du coup, bah là, on essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Du coup, on lui a mis des bandages hier. Yes. Le truc, c'est que... Il les enlève à chaque fois, en fait. Ça l'a énervé. Il y en a un qui a tenu toute la nuit. C'était pas le bon, malheureusement. Il y en a un autre qui s'est enlevé hier soir, je crois, 2 heures après que je lui en ai mis un. Et du coup, bah... C'est mal, quand même. C'est un mal. Le mien, il est tout jeune, donc je pense que... Ouais, nous aussi. Il est en train de jouer avec un autre chien là. Non, c'est reparti pour un tour. C'est reparti. Il est bien fatigué de ce soir. Mais il a hurlé tout à l'heure parce qu'il se battait avec d'autres chiens. Il a pas aimé. Hein. Il s'est de gros contre lui. Bref, dans tous les cas, souhaitez-nous bonne chance. Puisque Les commentaires, les potes, je te coupe juste vite fait. Hein. Dans les commentaires, les potes, je veux que des doigts croisés, des bonnes chances ou quoi. Ouais. Parce que demain, ça va être important pour nous. Ça fait longtemps qu'on attend ce jour-là, entre parenthèses. Je dis pas que demain, on va avoir la réponse de ce qu'on va pouvoir faire, etc. etc. Mais vas-y, je te laisse expliquer demain ce qui va se passer. Est-ce que j'en dis ou est-ce que j'en dis pas trop? T'es pas obligé en vrai. T'es pas obligé. En gros, demain, c'est le jour où on saura si... On saura pas exactement encore. Ouais, voilà. On va à peu près savoir. On a un rendez-vous demain, bref. Soit positif, soit négatif. Voilà. Si on peut, je laisse dire la fin. Avoir une maison. Yes. Yes, donc demain, donc, on a rendez-vous. Croisez tous les doigts, les gars. Je compte vraiment sur vous, les potes. Là, c'est une étape importante pour nous parce que c'est, entre parenthèses, un peu la première fois. Ouais. Et aussi, on a un petit peu tout misé sur ça, entre parenthèses. Ouais. Et on va voir si c'est positif, bah on entamera du coup les visites de maison, les choses comme ça. Je pense qu'on en saura plus d'ici une semaine, quelque chose comme ça, une semaine, peut-être 2 semaines. Mm-hmm. Mais en tout cas, demain on aura l'avis si c'est positif ou négatif. On vous dira de toute façon à chaque fois qu'on en sait un peu plus. On espère juste que ça va bien se passer, on a tout préparé. Il manque que ce qu'on va dire nous, donc soit ça marche ou ça marche pas. Donc vraiment on espère que enfin ça change, qu'enfin on puisse se barrer de l'appartement, parce que ce qu'on vous a pas dit, oh my goodness, mon cauchemar. Tout à l'heure j'étais en FaceTime avec ma soeur et je me suis aperçue que Roué dormait, mais Piccolo il était à la fenêtre, il essayait de choper une mouche. Et à un moment donné je regarde Piccolo et je vois un frelon devant la fenêtre. Comme l'année dernière pour ceux qui se souviennent. Et je me suis dit, mais attends, on est en plein mois de mars, faut peut-être pas attaquer maintenant, vous attaquez en plein mois de juillet ou plein mois d'août, il n'y a aucun problème. Mais là, en plein mois de mars, le retour des frelons, franchement, je ne m'y attendais pas. Bref, il y en avait 2, je crois, devant la fenêtre. J'espère que ça va pas trop revenir, parce que sachant qu'il faisait pas non plus hyper hyper chaud aujourd'hui, quand il va faire très chaud, qu'est-ce que ça va être? Parce que faut pas oublier que l'année dernière, vous avez fait plusieurs vidéos là-dessus, où on était resté bloqué dans la chambre à appeler les pompiers, les machins, les trucs pour faire enlever les frelons. Qu'il y en avait des dizaines et des dizaines qui étaient rentrés dans l'appartement, franchement c'était horrible. Donc j'espère qu'on va pas revivre ça, et c'est pour ça aussi que demain c'est hyper important ce qui va se passer. Donc on espère vraiment que vous serez avec nous. Parlons de choses un petit peu mieux, on va dire. Tout simplement, hier vous le savez, il y a eu la mise à jour, c'était hier, on est d'accord? Yes. Franchement les potes, ça a été une mise à jour pour moi, je trouve, de dingue. Je sais pas toi, Mam. Piccolo. Pico. Hey, oh. Mais bouge là. Je sais pas pour vous les potes, mais moi j'ai trouvé que c'était une mise à jour de dingue. Qu'est-ce que t'en penses, Mab? Yes. Alors, il y a des trucs bien, il y a des trucs un peu moins bien. Alors déjà, il y a le ranked qui est apparu, donc ça en gros le truc tournois. Un peu de compétition, etc., etc. Mais sauf que maintenant c'est instauré pour tout le temps, d'après ce que j'ai bien compris. Ouais, je crois que c'est tout le temps. D'accord. Dites-moi dans les commentaires les potes si je me trompe, mais là actuellement je crois que je suis à 180 points ou 170 points. Donc n'hésitez pas à me dire, vous êtes à combien de points les potes? On est quand même bien monté aujourd'hui. Le but c'est d'atteindre la plus grosse division, donc la division champion en gros. T'es en division 5 là?
Ouais, en rivalité division 5 pour l'instant. Yes. Et franchement les potes, genre dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop, bah, trop bien avec les wards et tout qui arrivent. Le nouveau mode qui a été ajouté hier soir, on l'a testé en live, d'ailleurs ce soir je pense qu'on va en refaire en live. Il était extrêmement bien, juste j'attends juste qu'il le mette en section. Moi je le trouve franchement pas mal, juste là faudrait qu'elle le mette. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le mode The Forest Lava. Yes. Et par contre un petit peu grosse déception je pense pour tout le monde, et dites-moi ce que vous en pensez là à ce niveau-là les potes, franchement. Un truc à péter un câble. Les potes, pour me dire ce que vous en pensez, c'est le mode matchmaking normal, en gros le MM normal, les parties normales solo, duo et squad. Genre et maintenant tu récupères plus des HP quand tu tues quelqu'un et tu récupères plus de construction. En gros ils t'ont tout remis comme avant. Avec 1000 de constru au lieu de 500 comme c'était là récemment. C'est horrible. Dis, les gars, c'est vraiment horrible. J'ai plus envie de jouer dans ce mode là. Ouais. J'ai plus envie de jouer dans ce mode là ou alors pour je sais pas, enfin comment expliquer? À limite vraiment pour faire passer le temps, tu vois ce que je veux dire, pas toi? Ouais. Genre vraiment pas genre pour s'amuser ou quoi, je trouve pas c'est amusant. Ouais, non pas du tout, vraiment pas. Moi hier soir, pour ceux qui étaient sur live, ça m'a bien fait péter un câble, sincèrement. Au bout d'un moment j'ai dit bon vas-y j'arrête de jouer parce que ça m'a gonflé. J'ai laissé Roro et Joe partir en mode The Floor is Lava, bah du coup j'en avais fait je crois deux parties avec toi. Et du coup je les ai laissé aller tous les deux parce que Joe était en live aussi, donc du coup ils ont fait du mode The Floor is Lava. Ensuite après ils ont fait du tournoi, du coup pas très longtemps. Et puis après c'était le moment de la boutique, enfin bref. Pour tout vous dire, moi aussi c'est quelque chose qui me freine énormément, le fait que ça nous enlève des HP tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais Pico? De quoi le enfin, pas que, Lava? Non, pas que ça nous enlève des HP mais qu'on n'en récupère pas quand on tue quelqu'un en fait. Quick. Bref, les potes, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. En tout cas, moi je trouve grosse mise à jour, franchement ça annonce que du bon pour la suite. Je sais pas, il y a une femme derrière. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Oh, Pico! Oh, j'avais pas vu. C'est pas grave. Allez, Pico, viens. Toi, tu te laisses Pico, faire, toi. Tu te laisses pas faire, oh. Tu te laisses faire. Mon pouic. Bon, Pico vient de se faire. Attends, je savais pas qui. Bon, bref. Attends, je viens d'apprendre quelque chose là. Bon, Pico, je crois qu'il est gay. Voilà. Il s'est laissé faire en plus. C'est gênant. Du coup, Vava a fini ses deux dernières heures de conduite officiellement. Entre parenthèses, quand je dis officiellement, c'est pour ceux qui savent, c'est en gros, vous avez. T'as un quota dans ton. C'est 25 heures, je crois, non? Je sais pas, moi j'ai fait 22, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et du coup, Vava vient de finir son quota aujourd'hui. Elle a fait 2 heures. Malheureusement, ça s'est un peu mal passé. Même très mal passé pour faire un. Bref, sans faire de dessin. On va pas trop vous expliquer, mais en gros, ça s'est quand même assez mal passé. Ouais. Vava m'a raconté, du coup, voilà. Je pense que normalement, tu vas reprendre des heures, c'est ça? Yes, j'ai repris 2 heures, du coup, voilà. J'ai repris 2 heures et à la fin de la première heure, du coup, que je ferai la semaine prochaine, on va refaire un bilan. Voilà, pour avec voir un moniteur avec qui je m'entends bien, parce qu'en fait, c'est avec. Et là, ça s'approche en vrai. Ouais. Là, ça s'approche vraiment grandement. Ouais, parce qu'en fait, du coup, on va faire un autre bilan mardi, du coup, parce que j'avais déjà fait un bilan avec mon moniteur que j'ai la plupart du temps. Ça s'était bien passé, mais là, avec la monitrice avec laquelle j'étais ce matin, ça a plutôt mal tourné et du coup. Du coup là je vais voir pour avoir des courtes conduites avec d'autres moniteurs tout ça parce que c'était pas possible. Du coup je tiendrai au courant comment ça va se passer parce que c'était franchement compliqué ce matin. J'ai beaucoup pleuré mais bon bref on va pas vous faire un détail. Voilà, donc ça s'approche le grand jour pour Vava. La vidéo touche déjà à sa fin les potes, voilà, merci de nous avoir écoutés encore une fois. On kiffe faire des vidéos en extérieur. Ah ouais, ça fait du bien. Parce que nous bah il fait beau, il fait bon. Donc voilà, les beaux jours arrivent, on est content, on est heureux. Donc, du coup, on a pris des trucs à bouffer d'ailleurs, parce qu'on est, on est allé manger du coup dans le parc. Et hier, après la vidéo d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, on a bien été prendre un kebab. Yes, c'est vrai. Voilà, on a juste goûté en gros, on a juste pris des canettes. Des là, moi j'ai pris un croissant aux amandes et j'ai pris un cookie 3 chocolats pour Roro. Après, on s'était pris 2 sandwichs là maintenant. Là. Yes. Et du coup, bah voilà, je pense qu'on aura suffisamment mangé ce soir. Après, je sais pas si on aura refaim, mais. Si, moi j'ai refaim. Toi, oui, mais moi non. Bref, la vidéo touche déjà à sa fin, on se retrouve ce soir pour le live, demain pour une nouvelle vidéo. Peace.